Il est pas mort. Oh le con. Attendez, j'ai une idée. Voilà, mon idée c'est mourir. Allez, tue-moi. Là t'es bien énervé là. Quand on veut pas qu'il nous bute, il nous bute en 5 secondes. Tête. Il doit y avoir l'ours, je vais l'attirer. Abonne-toi. Et salut à tous, c'est Ribosome et on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Et aujourd'hui on va aller chasser The Wolfman. Pour ça il va falloir juste que j'ai un petit peu plus d'argent pour pouvoir m'acheter un fusil à verrou. Parce que je crois comprendre qu'il va y avoir du loup à buter. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai activé une carte au trésor juste à côté pour pouvoir récupérer du pognon. Si jamais j'ai pas assez d'argent, j'ai une autre carte au trésor en réserve et au pire j'ai quelques lingots pour pouvoir acheter le fusil à verrou. Donc du coup on recommence. Salut à Seigneur Sauron, salut à Gogom94, salut à LeoPlayer25, salut à Sibaman, salut à Julien Beauchaton. Donc on passe en plein écran les gars. Et on se fend la gueule pendant 1h30. Et j'espère que je vais arriver à battre du coup ce type là, The Wolfman. Bah tiens, on va pouvoir s'entraîner sur ces loups. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un live compliqué. Ça fait plaisir de voir tes lives, généralement je peux pas. Eh ben écoute, régale-toi. Tu fais chier toi? Voilà. Salut à toi Lobless83. Donc pour le trésor, je sais pas où il est. Je vais chercher. J'ai pas rejoué au mode online là depuis du coup ma vidéo sur Zelda. Il est là. Zelda Link's Awakening. J'espère que vous avez vu la vidéo. Trésor trouvé avec carte. Ok. Donc prendre. Donc du coup, combien j'ai d'argent? Oui, j'ai assez d'argent. Récompense du club rang 18. On va regarder quand même ce que j'ai gagné. Cette paire de lunettes de luxe ovale double épaisseur. Où peut-on trouver cette paire de lunettes, mesdames et messieurs, dans le chat? Pour les lunettes, tu les as déjà dans ton stuff, tu as juste à les équiper. Ok, donc du coup je vais aller m'acheter mon fusil à verrou. Fusil à verrou, 216, c'est ça que je veux. Acheter. Bon alors on va juste aller voir les lunettes. Garde-robe, donc c'est là, normalement. Voilà. Franchement, c'est soit on aime, soit on déteste. Moi, j'aime et je déteste, en fait. Bon, bah allez, je les mets. C'est rigolo. C'est papier à ton laveur, quoi. Allez, laissez-moi vous conter cette histoire. Il était une fois Red Dead Redemption 2, avec un certain Ribosome. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au tableau de chasseur de primes de le plus proche, d'ailleurs. Bah voilà, parfait. On va aller là. Alors, le tableau, il est là, Monsieur Wolf. Bon, bah ok, les gars, on va se le faire alors plusieurs fois cet homme. Moi je l'appelle Monsieur Wolf, hein. Voilà, merde. Wolfman, j'y arrive pas. Ouais mais du coup c'est pas le même Wolfman que dans le solo, parce que l'homme loup dans le solo, il est à poil. Il est là. Moustache apparente. Un cousin à moi, vivant parmi les loups. Prendre des balles express, ils sont solides les loups. Alors Sibaman, je suis niveau 15 et j'ai pas accès aux balles express. J'ai pas non plus de fusil à pompe, Julien Beauchâteau. J'ai pas de... Non, j'ai uniquement ce magnifique fusil à verrou. Le fusil à petit gibier, la selle de mon cheval et la carabine à répétition et l'arc en gros. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça avec ça et on va voir. Fusil à verrou, je pense que ça peut faire du dégât quand même. De toute façon, je pense que je vais en chier et qu'on va rire. T'es, des loups là-bas. Ça va passer, on y croit. Non, si j'y arrive on pourra dire GG, on pourra l'écrire avec toutes les lettres. Good game ou bravo man. Wolf man. J'ai réussi qu'avec ce fusil, donc quelqu'un l'a déjà fait, c'est prouvé, je vais peut-être y arriver moi aussi. Prends le vivant, ok, mais oui, ça c'est sûr, je le prends vivant. Lake Isabella, je le connais par cœur, j'y ai passé à peu près 2 jours de ma vie réelle pour trouver un orignal, ce qui a été soldé par un échec. Dans le cucu, fais attention à son ours de compagnie. Putain, vous me faites trop flipper les gars, là. C'est abusé. C'est quoi ça? C'est un ours de compagnie? Qu'est-ce que c'est? Loup gris, c'est pas un ours. Allez, on avance. Donc ça a l'air d'être des vagues de 3 loups. Pour l'instant. On en a déjà eu 2 sur 3. Voilà. Donc, attendez. Juste, j'ai du dead-eye à faire remonter. On va se mettre une petite cuite avant d'y aller. Est-ce que je descendrai pas de mon cheval quand même? On a stressé, mais il s'est rien passé. Je suis encore vivant. Pour l'instant, mais peut-être qu'à tout moment, ce jeu me fera avoir tort. Parce que là, certains parlent d'un ours, et j'aime pas trop les ours, je crois.
Allez, j'avance par là. Est-ce que c'est lui? Je vais lui foutre juste un coup de... Ah! J'ai vu l'ours! Qu'est-ce qu'il fout avec un ours, ce mec? Ah mais non! Il est mort! Il s'est fait buter par l'ours! Bah! C'est nul! Ah! Checkpoint! Je vous dis, ça va être très compliqué! Je vais pas m'énerver, je suis pas comme ça, il me faut mon cheval. Eh bien, il revient, Thanos. Moi, ma question, c'est pourquoi il y avait un ours? Ouais, j'étais sûr qu'il y en aurait d'autres. C'était trop calme. Merde, je vais tracer. Ah, mais merde, il m'a encerclé. Oh, putain, c'est l'horreur. C'est trop dur. Allez. On va aller voir là-bas. Merde. Il est pas mort. Oh le con. Attendez, j'ai une idée. Voilà, mon idée c'est mourir. Allez, tue-moi. Là t'es bien énervé là. Quand on veut pas qu'il nous bute, il nous bute en 5 secondes. T'es. Il doit y avoir l'ours, je vais l'attirer. Ah. Mais... Bon, je vais le ramener mort, hein. Putain d'ours. Vite. Comment on peut en chier autant, pendant autant de temps, pour un truc qui est normalement simple? Casse-toi! Bon, mon cheval, t'es la plus grosse peureuse que ce monde ait fait. Oh putain! Titre de la vidéo, mourir en boucle, en tuant des loups. Mais attends, mais mon cheval, si j'avais choisi sa peur, je lui aurais dit d'être non peureux, et là, il est trop heureux. On reprend du début. On va massacrer cet ours. De toute façon, à force de le faire, j'arriverai forcément à l'avoir du premier coup. Salut Patapouf, je fais que de la merde depuis maintenant 34 minutes et 33 secondes. Pour ceux qui arrivent, je suis nul. Allez, chasseur farmer, on va essayer de te faire plaisir. Tu as mis tellement de points d'exclamation dans cette phrase que l'enthousiasme se fait sentir jusqu'au Japon. Cet ours va être liquidé. Non! J'étais à une balle de l'avoir! Je me grouille du coup. Comme ça je pourrais me barrer, peut-être. Allez, cours Thanos! Vie! Cours comme si c'était la dernière fois. Salut Braun Strowman, tout va bien. Tout va très bien. Vous savez si les loups me poursuivent jusqu'ici ou pas? Ah oui! Ils me poursuivent! Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que cette mission? Je suis sûr que les développeurs de chez Rockstar se sont dit... On va bien les faire chier là. On va bien l'emmerder le ribosome. Bon. Du coup j'ai gagné quoi? 10$ et 0,08 pépites d'or. Pépites d'or. Et merci à Ribosome qui s'abonne à la chaîne. 10$, je suis en larmes pour toi, écoute. C'est comme ça. La vie a fait que The Wolfman était meilleur que moi. Et on peut voir du coup que tout le monde est en train de faire cette quête. Tableau des primes. Qui je fais? Je veux pas en faire deux, parce que c'est trop chiant. Lui, c'est le même gars. James Harper. The Notorious Brawler and Scoundrel. Harper is wanted for the public killing de Miss Ethel Pickering in a fit of drunken rage, dans un élan de rage alcoolique. Wanted dead or alive. Ok, on va faire celui-là. Capturer la cible. C'est parti. Bon, déjà, il faut pas qu'il s'enfuit. C'est ça, la priorité. Je vais tomber de mon cheval. Voilà. Si vous voyez qu'il s'enfuit, vous commencez à spammer.
Putain, lui, je l'ai bien dégommé. Si t'as le marteau, frappe les gens avec. Et je n'ai pas de marteau. En plein dans la main. Merde, je croyais que j'avais pris le lasso. Ça va, ligoté. J'ai eu trop peur. J'en bave. J'ai bavé sur mon écran. Allez, c'est bon. MDR, t'es dégueulasse. Je suis sale. Allez hop, on se tire. Alors pourquoi, Julien, il faut que je prenne mon temps pour le livrer? Qu'est-ce que ça change? Plus tu livres tard et plus tu gagnes. D'accord. Ah oui, parce que du coup tu résistes plus longtemps pour eux. Il est où? L'animal. Ah ah ah. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Il s'est barré? Il s'est détaché ce mec? Mais qu'est-ce que c'est ce gars? Voilà, hop, je le religote. Après, tu pourras débloquer le lasso de chasseur de primes. Oui, j'ai vu que le lasso de chasseur de primes était un lasso qui permettait de faire tomber les ennemis, je crois, et ils étaient automatiquement ligotés. Si je me trompe, dites-le-moi. MDR, pas du tout. On me dit qu'il est donc plus résistant. Il y a un lasso renforcé et les bolasses. Voilà, ben c'est ça, je confonds avec les bolasses. Un personnage du Seigneur des Anneaux, les bolasses. Et là, je peux pas le frapper de plaisir, par exemple? Lui dire de... Ah, non. Je tape dans le vide. Mais j'aurais bien aimé le taper un peu de plaisir. Et au final, on en aura eu besoin de ces 8 minutes pour le ramener, le mec, là. Ah, mais il s'est rééchappé. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Créer un crew. Gom Gom 94. Si tu veux, tu peux m'en parler sur mon Discord. Le lien est dans la description. Tu peux rejoindre le Discord. D'ailleurs, vous pouvez tous rejoindre le Discord. On s'y amuse. Il y a des infos exclusives, des miniatures où les gens peuvent voter, d'ailleurs. Allez, bah écoutez, on va faire Jonathan Bird. Nous sommes déjà venus ici. Ah, 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 je vais me cacher dans les châchis. Châchis, c'est ça. C'est les buissons, en fait. Le gars va se pointer, là, je crois. Qu'est-ce que je fais? Je le surprends? Je tue les mecs? Dites-moi, je les bute au queue. Allez. Meilleur en solo. Je suis meilleur au solo de Red Dead. Tout va bien. C'est pas très grave. Il faut la porter où alors? Là? Derrière? Ah oui, côté Maccabée. Le côté Maccabée. Lâchez le Maccabée. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un live qui était cool. J'irai voir de mon côté si The Wolfman réapparaît en 2 étoiles. Mais écoutez, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas, quand la vidéo sort, à mettre un petit pouce bleu, donc maintenant, et à vous abonner à la chaîne si jamais vous découvrez la chaîne par cette vidéo, et à aller voir mon test de Zelda Link's Awakening sur Switch. Ça vaut le détour si vous voulez vous marrer et vous fendre la gueule. Merci à vous d'avoir été là, et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.